Pour quelle raison, question, la plupart des carrières en tant qu'employés deviennent maussades ou sont en général source de frustration? Pourquoi la plupart des employés n'aiment plus leur travail, n'aiment plus leur boss, n'aiment plus leur patron, n'aiment plus leur camarade de travail, n'aiment plus rien, n'aiment plus rien? Au bout de 12 mois, oh, j'en peux plus. Et pour quelle raison, à votre avis, la plupart des entreprises plantent, ferment leurs portes? Regardez bien, 50%, je vais vous le noter aussi, les entreprises ferment leurs portes en 5 ans d'existence. Et 96% en 10 ans. 50%. Pourquoi, à votre avis, la plupart des carrières ne sont pas des carrières qui explosent en termes de performance et de niveau d'accomplissement, bonheur? Et pour quelle raison la plupart des entrepreneurs crèvent la faim? La plupart des auto-entrepreneurs, notamment des petites entreprises, qu'ils aient un salaire à côté, qu'ils soient employés. Hein. Beaucoup de gens sont employés, ils font un peu de marketing de réseau, un peu de quelques blogs, quelques affiliations, partenariats. Hein. Ils ont un peu les deux, ils sont salariés et entrepreneurs ou des petites entreprises. Mais quand la plupart des gens veulent être entrepreneurs, c'est parce qu'ils veulent vivre de leur passion, parce qu'ils veulent avoir plus de temps, ils comprendront plus tard que c'est l'inverse, et ils veulent augmenter leurs revenus. C'est un peu ça, regardez bien. Vivre de sa passion, avoir plus de temps et de liberté, et puis augmenter ses revenus. Mais pourquoi ça plante alors, à votre avis? Parce que les gens ne sont pas intelligents? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas d'éducation et ils ne sont pas compétents? Alors pourquoi? Ils sont compétents, ils ont un bon savoir-faire. La plupart d'entre vous, entrepreneurs, ou dans votre carrière, vous avez un super savoir-faire, notamment les francophones qui font de longues études ou qui sont beaucoup plus rationnels souvent, notamment en Europe, les diplômes, etc. Vous êtes super formés. Quel est le problème? C'est pas de te taper encore 25 formations, comment faire? C'est d'abord de travailler ta psychologie à 80%. La raison, c'est 80% de psychologie. La mauvaise capacité à résister, à affronter, à persévérer, à mieux décider, mieux se connaître et déléguer, c'est la psychologie. Et 20%, oui, c'est la mécanique, le comment. Je vais vous dire, je vais vous donner les 7 raisons, il y en a 6-7, mais je vais vous en donner 7 rapidement, qui expliquent la raison pour laquelle vous risquez de planter votre entreprise, votre carrière, ou pourquoi la plupart des gens plantent leur carrière ou leur entreprise. La première, et ça s'adresse à la fois aux employés qu'aux entrepreneurs. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, ce n'est que l'introduction.